Hello les Friends! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et ça va être un nouveau haul. J'avais déjà fait un haul l'année passée. J'avais acheté des choses, je voulais vous montrer et là j'ai acheté parce que c'était une Black Friday il y a quelques jours, il y a presque une semaine déjà. Donc j'ai acheté 11 articles que je vais vous montrer du site Woman. Bien sûr, je n'ai eu qu'un colis parce que pour ceux qui connaissent cette situation, ceux qui livrent les colis ne sont jamais là à temps ou alors ils inventent après les excuses. Oui, l'adresse est mauvaise, je sais pas quoi, alors que l'adresse est sur le site vu que j'ai commandé et donc on vous envoie normalement tout, vous avez là pour dire ouais votre adresse est mauvaise. Non, ils disent que oh ils sont passés, il n'y avait pas, ou oh l'adresse est mauvaise. Mais appelez, je sais pas, appelez le jour même, je sais pas, faites quelque chose, faites votre job bien. C'est pas après le soir, la veille, donc c'est-à-dire hier, m'appelle, ils me disent oui voilà, l'adresse, etc. Je lui leur donne l'adresse. Ils me disent eux-mêmes l'adresse, je dis oui c'est là, donc voilà, et on dit ils vont venir aujourd'hui. J'ai eu un colis. De nouveau, l'adresse est mauvaise alors que je leur ai dit l'adresse. J'ai appelé le service et ils me disent ah non. Et donc j'ai eu qu'un colis et pas les autres qui vont venir demain. À voir s'ils vont venir demain. Ah oui, friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur Instagram à Idesab. Let's go! Donc dites-vous, j'ai acheté 11 articles et il y en a 4 qui sont venus pour l'instant dans un énorme sac comme ça. Donc là, il est vide parce que j'ai déjà enlevé. Il est énorme, il est gigantesque. Premier outfit, encore dans le sac. C'est, on va dire, c'est un ensemble que j'ai vu en balle, parce que voilà, réduction, trop beau, genre un petit truc, un training, un pull, je vais vous l'ouvrir maintenant. Ah, regardez-moi ça, wesh. Un petit pull blanc avec signe, on dirait un peu vite fait, brillant, mais c'est pas fin, mais on dirait. Avec ce pantalon noir orangé, j'ai pris du M, bon, le pull parfait, vous voyez, un peu large et tout, you know. J'aurais pu prendre S, mais ça aurait été vraiment très serré, et donc c'est cool des fois dans le corps, mais pas tout le temps. Par contre, c'est vrai que les pantalons, et je suis en train de reprendre, c'est que j'ai pris, pour certains, j'ai pris la taille que j'avais déjà avec deux pantalons, que j'avais déjà acheté sur bout, ou que j'ai déjà. C'est ça qui est chiant avec différents sites, c'est qu'on sait jamais la bonne taille. Sauf que là, j'en ai pris d'autres avec M, et là, c'est un pantalon, bon, c'est un training après, c'est un jogger, donc. En soi c'est pas grave, mais de toute façon ça va, c'est un style pour sortir. Genre il est quand même assez large, je sais pas si vous voyez. Bon après c'est un training, reste à la maison même pour sortir en mode chill et tout. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Il est stylé avec paire de chaussures en mode des Jordan orange, ça passe crème. Parce que c'est comme ça que j'ai vu avec le gars en plus, sauf que j'ai pas de truc orange, je pourrais que j'en achète, ou blanc tout simplement. Il est stylé. Je suis pas très jogo de base, hein. Moi quand je sors toujours habillé on va dire. Et là je pourrais parce que ça fait encore à la limite bien. Et le jogo c'est vrai qu'il est large, mais après voilà, maintenant il y a aussi beaucoup de styles en mode très large, etc. Mais bon. Bien. Prochain outfit, c'est ça. Je suis trop en kiff et ça va bien. Ça passe crème. En M, hop, vous voyez. En fait c'est une chemise en laine avec des lignes, voilà, c'est vite fait, ça fait des petits motifs. Et un peu de mauve dessus. Et je trouve ça trop beau. Et en plus au début je pensais que le capuchon noir en fait c'était un pull qu'ils avaient mis en plus pour montrer que ça allait bien. Et en fait non, il est inclus dedans et donc c'est grave beau. Donc avec un t-shirt noir en dessous pour laisser, et s'il fait trop froid vous le fermez, ça passe aussi crème. Un pantalon noir classe, chaussures blanches pour rappeler un peu le blanc. C'est trop bien, genre vraiment je suis en kiff genre. Et par contre ici. Oui, c'est froid, donc faudrait pas mettre sans t-shirt, vous voyez, mais genre, regardez, vous voyez, oh, on le voit très peu, mais genre, ça passe grave crème, je suis trop content, genre. Ensuite, là, c'est simplement un bel pull kaki, et attention, il paraît plus clair chez vous, mais il est beaucoup plus foncé en vrai, et je suis un peu déçu de la taille, parce que regardez, j'ai des pulls larges, j'ai pas de soucis, sauf qu'en fait, ce pull, parce que c'est un simple, mais c'est parce que ça va avec un outfit qui n'est pas encore là, donc la veste, et un pantalon, et le truc c'est que c'est un peu large quoi, et la outfit c'est vraiment une veste un peu longue qui descend jusqu'en bas, un pantalon beige, et donc ça passe vraiment crème, sauf que c'est un peu large quoi. Donc je pense que je vais le rendre celui-là, et pourtant c'est M hein, comme l'autre, mais je comprends pas pourquoi celui-là il taille moins bien. Hello Fabrains, donc là je suis en train de faire le montage vidéo de la vidéo, donc vous voyez actuellement des habits. Et le souci, ouais, c'est qu'en fait, j'ai pris ma taille, mais c'est des pulls oversize. Et comme l'autre pull que je vais vous montrer, le blanc, que je vais vous parler genre maintenant dans la vidéo, ben c'est aussi un oversize. Donc en fait, j'ai pris ma taille, donc c'est beaucoup trop grand. Il fallait que je prenne une taille en dessous pour que ça fasse oversize, mais bien. Et donc j'ai mal regardé, donc voilà, c'est pour ça. Après peut-être c'était marqué oversize, j'ai pas fait attention, c'est possible. Mais en tout cas j'aime bien la couleur et tout. Genre là il est vraiment extra large. Alors celui-là par exemple, je peux pour si je veux sortir en mode chill, mais pas pour l'outfit que je veux en fait. Là, c'est une de mes pièces préférées que j'avais pas, que je cherchais. C'est un col roulé à collier au corps. Et exprès, je voulais en changer. Sauf que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont bien en M, d'autres sont un peu trop larges. Mais après, je suis en train de parler avec des gens, ils m'ont dit, ouais, M, non, c'est possible. Et c'est vrai, quand c'est un peu large, c'est beau. Et est-ce que ça va avec l'outfit? Je sais pas. Là, en tout cas, je sais pas. Dites-moi en commentaire, j'ai besoin de votre avis. Genre, le col roulé, il passe. Mais le truc, c'est qu'au niveau des épaules, normalement, ça, c'est censé être là. Il est un peu là.
Si je montre, vous voyez ce que je veux dire, ça fait ça. En tout cas, il est grave beau et tout, je sais pas. Est-ce que je le renvoie parce que ici, bon, vous voyez, il descend très bas. Je remonte, tac, comme vous faites tous, et hop, tu vois, ça passe crème. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le corps, mais est-ce que c'est normal? Enfin, ça doit pas descendre là, donc je crois que j'aurais dû prendre S, non? Les gens, la suite, ça va être quand je vais recevoir les autres. Donc normalement, pour vous, la suite, c'est dans quelques secondes. Pour moi, ça va être demain, à voir si ils arrivent. Allez, à tout de suite. Hey, les Fabred, j'ai eu mes deux colis, le lendemain j'ai eu les deux, c'était aussi la merde, vous imaginez même pas. Ils m'ont de nouveau dit ouais, truc incorrect et tout, je suis en mode mais non s'il vous plaît, mais pourquoi j'ai appelé? J'ai de nouveau appelé EPS, ils m'ont dit oui pourtant, votre colis, il a bien l'adresse et tout, je suis ben voilà. Et après j'étais en cours, il y a le livreur, un livreur, une pépite, m'a appelé, il m'a dit ouais et tout, je vais faire, ah, est-ce que vous pouvez me ramener, j'ai donné l'adresse, il est venu le soir, il a fait un détour que pour moi. Vraiment, je te remercie si tu vois cette vidéo. Je kiffe ma vie. Bon, ça va pas très bien avec ça. Imaginez qu'il y a un t-shirt brun foncé et ici un pantalon brun que je vais vous montrer après. Mais cette veste est trop bien, elle est chaude, elle est confortable. Bonne qualité, des grosses poches, oh là là. Vous voyez, les manches sont extrêmement grosses. C'est normal parce que vous voyez par exemple, si je fais ça, main rentre dedans, vous voyez. C'est normal, je vais vous mettre à chaque fois les photos à quoi ressemble. Et quand vous voyez la personne, vous voyez très bien que la veste va quand même à la moitié du genou. Et qu'il fait ça, ben on voit plus ses mains. C'est que c'était extrait d'être grand comme ça. Oh, c'est canon, je kiffe, c'est géant. T'as pas froid comme ça, waouh, c'est trop beau genre. Et voilà, pour vous la montrer de plus près la veste, il y a un petit truc ici, c'est marqué Worldwide International. C'est un petit truc, sinon simple, il n'y a pas de capuchon par contre. On a ici un peu des lacets pour se resserrer j'imagine, et voilà c'est tout, c'est parfait. Même des poches à l'intérieur, oh là là, elle est trop belle, je la kiffe vraiment. Pour que vous voyez un peu de plus près le pantalon, hop. Vous voyez, il est comme ça, parfait. Il est un peu plus clair, voilà, avec le blanc ça fait plus foncé, mais genre... il est canon. Voilà le pantalon brun. Donc imaginez un t-shirt brun comment ça, il est trop bien en plus. C'est la même couleur. Le gars que je vous ai montré dans la photo, il est un peu plus clair et là foncé, c'est ce que je voulais. Mais c'était impossible à trouver. Il y a des articles que j'ai pas pu trouver, c'était impossible clairement. J'ai vu ça sur Instagram et ils mettaient pas les liens pour les trucs. Donc je vais chercher moi-même, c'était long, mais en vrai. Je kiffe, c'est trop beau. En plus, j'ai pris du M. Hein. Je me suis dit, bon, c'est un peu trop grand. C'est parfait parce qu'en fait, c'est un cargo. Donc il y a ce truc qui colle. Donc même si c'était un peu trop grand, ça colle et c'est pas grand, c'est parfait parce que les cargos ils doivent être un peu larges, ça doit pas être collé, c'est moche, vous voyez. Et il est parfait, un petit poche en mode comme si on avait mis des gros trucs dessus, vous voyez. Comme ça, il y a une tirette là, un petit truc là pour faire un peu de style. Ça tient au niveau des pieds, donc vraiment, ceux qui prennent du M, enfin prenez votre taille, voilà, clairement c'est trop bien pour serrer un peu ici. Les canons, oh là là, je kiffe, wesh. Je vais grave vous faire un défilé. Genre en mode, ah, oh, je kiffe ma vie. Je valide mes deux dingues, wesh. Et... je vous jure, c'est trop bien. Oh. Bon, là, clairement, j'ai voulu prendre une taille plus haute, je sais pas pourquoi, parce que j'avais vu dans les trucs avec les sites internet, ouais, qu'est-ce qu'en Angleterre, c'est la même chose qu'en Europe, les tailles et tout. J'aurais pas dû, parce que là, regardez, ça tombe, c'est géant. Après, ça fait un style, vous voyez, les gens, ils ont des gros trucs où ça fait extra large, etc. Ça fait un style, et ça tombe, il faut que je mette une ceinture, mais donc je vais avoir des avis là-dessus, mais ça tombe là, clairement, sans ceinture, c'est pas ouf. Par contre, il est trop beau, regardez, il y a des effets en mode man, une fleur là, tête de mort. Je pense, ouais, ici, il y a un visage en mode soleil, genre c'est un jeans clair, en plus, ce truc ici, même blanc. Bonne qualité, un jeans clair, j'en avais un, mais là, c'est un autre style de jeans clair que j'ai pas, je voulais un autre jeans, parce que ça va, en fait, aussi avec la chemise que je vous ai montrée la fois passée, noir mauve, parce que j'avais vu ça là-haut avec le gars. Trop bien, je kiffe ma vision. Bon, celui-là, avant de le mettre, c'est pour vous montrer tout près. Donc regardez, c'est un noir avec des carreaux. Il est trop beau. Par contre, le seul bémol, c'est vraiment les boutons. C'est, vous voyez les boutons qui sont horribles en fait à tirer. Ils sont trop serrés. Genre, ils sont le trou, il est minuscule pour rentrer. Pour ça, c'est horrible. Ça fait trop mal aux mains. Donc voilà, comme je vous ai dit, là, il taille parfaitement. Genre, même pas besoin de ceinture. Il est un peu large, pas trop. Parfait, bon, je voulais montrer de tout près, mais genre il est trop bien, genre vraiment confortable en plus, pas trop au niveau de l'entrejambe, hein. Oui, et désolé pour les sauts partis en fait de la vidéo au début qui sont flous, j'étais en train de faire du montage, je suis vraiment désolé, mais en fait je sais pas pour comment fonctionne cette caméra, dites-moi si vous savez en commentaire. En fait, je suis toujours obligé d'appuyer sur l'écran pour que ça enlève le flou, tout simplement, mais j'arrive pas en fait, il me prend jamais pour toujours le contour. Alors que j'ai vu que les caméras youtubeurs où ça fait automatiquement lumière, c'est pas automatiquement. Dites-moi si vous savez. Oui, j'ai mis la lumière aussi parce que hier je trouvais que c'était trop sombre. Donc voilà. Même si ça vous gêne un peu, je suis
Désolé. Dernier pantalon, je pensais qu'il était un peu plus beige. Enfin, il est beige, mais on dirait camel surtout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est vraiment un simple. Genre là, c'est pas un jogger, c'est un pantalon classique. Des chinos, je pense. Simple, classique, voilà, hop. Rien de ouf. Plus 32, donc j'espère que ça va le faire. Donc vraiment, là, c'est pour dire que tout dépend du pantalon que vous voulez. Si c'est un jeans, faut que ce soit un peu large ou pas trop, mais ça dépend vraiment du style de chacun. Un cargo, vous pouvez avoir des styles un peu larges parce que ça va serrer là au-dessus et au-dessus. Mais l'autre, par exemple, le training en soit large ou pas large, ça, c'est chacun son thème, parce que voilà, c'est des trainings. Et là, par contre, j'ai pris 32 ma taille et c'est un peu plus serré, ce qui est normal puisque c'est un chino, c'est un pantalon plus classique. Il faut que ce soit serré. Par exemple, en mariage, tu vas pas te trimballer avec un pantalon comme as, mais qui est tout large. C'est extrêmement moche. Là, c'est serré un peu. Vous voyez. On va, après de toute façon avec le lavage ça va s'écarter etc, c'est comme les autres, et ceux qui sont déjà écartés ça va vraiment s'écarter puisque tu vas mettre moins tes jambes etc, mais bon, regarde, hein, j'ai déjà des pantalons comme ça et il me va très très bien là. Oh, même pas ton ceinture, il est très très beau. Et en fait ce pantalon là que j'avais acheté, c'était pour aller avec le kaki, en fait, que je vais vous mettre la photo, mais en fait il n'a rien à voir, c'était vraiment le pantalon que je cherchais comme lui. J'ai un style comme lui mais en gris et pas cette couleur là. Je voulais cette couleur là avec la longue veste que je vais vous montrer juste après et le kaki que je vais renvoyer pour avoir la taille. Sauf que là, je sais pas si ça va aller ensemble, mais en tout cas c'est un beige de toute manière que je n'avais pas encore, j'avais pas de pantalon beige et j'en cherchais. Et donc voilà, c'est un classique simple, voilà, si un jour j'ai envie de pump it up, c'est tout, c'est simple. C'est efficace. Bon les gars, mon micro a bugué donc j'ai dû refaire ces scènes après quelques jours. Alors que j'avais déjà filmé mes trucs de vêtements, je suis dégoûté. Ça va, c'était pas tout, donc c'était les derniers, mais je suis dégoûté. Donc ça, c'était le dernier outfit que je vous montre en fait. Donc ça va être l'avant-dernier ici. C'est la veste blanche que j'ai eu en fait. C'est à plumes, c'est pas du tout ce que je voulais, donc je suis un peu dégoûté. Ça fait très, on dirait les filles de l'époque. Vous voyez les petites filles qui avaient des trucs à plumes et tout. On dirait ça, donc c'est pas du tout ça ce que je voulais. Je monte vite, hein, parce que en soi c'est pas ouf. De toute façon, je vais la rendre très doux et tout, mais c'est pas ce que je voulais absolument pas. Donc bon. Sans plus quoi, voilà. C'est la matière très douce quoi, donc voilà, c'est sans plus. Ça par contre, c'est la veste verte que je kiffe, genre vraiment regardez comment elle est magnifique. Genre. Donc ça normalement c'est avec le kaki, le pull kaki un peu plus clair et le pantalon que je vous ai dit qui est normalement un peu rosé beige, que j'ai pas, donc normalement j'avais avec le beige, mais je trouve que ça et le pantalon beige, je pense pas que ça va aller ensemble, c'est trop, mais par contre avec un pull blanc et tout, ça peut le faire, mais donc voilà quoi. Il est genre juste magnifique. Les bons boutons, bonne qualité, il va vraiment jusque là quoi, vous voyez, genre magnifique genre, bon voilà. Donc voilà Fabrain, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi j'ai adoré, vraiment les outfits sont juste magnifiques, tous les vêtements que j'avais étaient juste magnifiques, à part certains que je dois renvoyer parce qu'ils étaient trop grands, ou simplement même, que j'ai pas en fait aimé, c'est le blanc parce que c'est pas du tout ça que je voulais, mais bon. C'est pas grave en soi, le plus important c'est que la majorité je les ai kiffés, je suis trop content. Voilà les fans, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Instagram, Twitter et TikTok à EachSab. Et n'oubliez pas les fans, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!